Cet entretien que nous allons faire ce jour va avoir essentiellement pour objectif de cumuler deux mondes différents. De cumuler, tant soit peu, la neurologie, et donc je suis spécialiste, et la musique. D'accord ? Pour voir les avantages que l'on peut tirer du fait d'apprendre à jouer un instrument de musique ou de pratiquer la musique et ce que ça peut apporter sur le plan des fonctions du cerveau, sur le plan des fonctions cérébrales. Et donc, nous allons parcourir quelques fonctions cérébrales, il y en a plusieurs, nous ne pouvons pas toutes les parcourir, on va faire un entretien et pour voir un peu ce que ça donne. Et je vous donc dis que ça va également être quelque chose de démonstratif, d'accord, avec des phases pratiques et à travers le jeu du piano. Alors, la première fonction que nous allons voir va concerner le langage. Lorsque je parle, c'est bien une partie de mon cerveau qui permet cette action. Et c'est bien connu en médecine. La partie du cerveau qui permet l'expression du langage s'appelle l'aire de Broca. C'est situé au niveau du cerveau, ou plus précisément au pied de la troisième circonvolution frontale, sur le lobe frontal. Et c'est cette partie du cerveau qui permet à l'homme de s'exprimer. Lorsque je parle, celui qui m'entend me comprend. Et donc la partie du cerveau qui permet la compréhension du langage s'appelle l'aire de Wernicke, située cette fois-ci au niveau du lobe temporal. Et cette partie qui vous permet de comprendre l'autre lorsqu'il parle. De sorte que dans une situation de pathologie, dans le cadre d'un traumatisme, une pathologie traumatique, d'accord, ou vasculaire, les accidents vasculaires cérébraux ou autres, la personne qui présente une lésion du cerveau qui touche ces aires du langage, cette partie du cerveau qui contrôle le langage, peut perdre l'usage du langage. On parlera d'une aphasie. Donc en médecine, il y a l'aphasie de Broca, lorsque la personne n'arrive pas à parler, et l'aphasie de Wernicke, lorsque la personne n'arrive pas à comprendre ce que vous dites, ou les aphasies mixtes, lorsque ça touche les deux, ou ça touche la structure de connexion entre les deux aires qu'on appelle le faisceau arché, qui relie les deux aires au niveau du cerveau. Voilà ce que dit la médecine sous le plan de la neurologie. Alors comment est-ce qu'on peut faire le lien avec la musique ? La musique, de façon classique, la définition linéaire que nous avons, c'est que c'est l'art de combiner les notes de façon à ce qu'elles soient agréables à l'oreille. Vu de cette façon, vu sous cet angle, la musique peut être comprise et perçue comme un langage. Donc le langage musical. Et donc, lorsque vous parlez le langage musical, celui qui vous entend et qui arrive à décoder votre langage musical vous comprend tout de suite. Et donc, si je fais ceci, par exemple. Qui entend et ça et qui comprend, c'est tout de suite que nous parlons du Bénin. C'est clair. Et on peut faire la même chose. Lorsque vous le trouvez quelque part sur la planète où il y a plusieurs personnes, plusieurs races qui se mélangent et que vous voulez accrocher, vous voulez vous identifier par rapport à la culture française par exemple, et vous suivez seulement d'entendre par exemple la Marseillaise. Dès que le maire veut la Marseillaise, toute personne qui connaît ce pays, qui connaît l'hymne national, qui veut la Marseillaise ou qui est d'origine française, se sent intéressé tout de suite. Voyez, ouais, ça donne ceci par exemple. Lorsque je fais. Thank you.
celui qui connaît ce pays et qui a cette culture sait que vous parlez à travers vous à cette personne. Et donc, si nous comprenons la musique sous cet angle comme un langage, alors de façon pratique, voilà ce qui peut se passer. Il y a la notion de la musicothérapie. C'est-à-dire que lorsque la musique est traitée, d'accord, puisque nous en parlons donc des aides du langage, la musique aussi au niveau de notre cerveau est traitée de la même façon. Peut-être pas dans les mêmes aires, parce que classiquement, tout ce qui concerne les schémas corporels, donc les schémas visio-spatiaux, les schémas artistiques, donc musicaux, sont traités au niveau de notre cerveau, la partie de l'hémisphère mineur. Donc la musique est traitée et fonctionne en tant que langage de la même façon que le langage humain. Mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes aires qui sont concernées au niveau du cerveau. Mais ce qui est essentiel, c'est que ces aires possède des connexions. De sorte que dans le cadre de la rééducation orthophonique, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un perd l'usage de son langage, pour rééduquer la personne, il y a la notion de la musicothérapie qui peut s'avérer essentielle pour participer à la rééducation. Puisqu'elle est vécue comme un langage, alors donc on peut faire recours à la musique pour encadrer et soutenir une rééducation orthophonique, de sorte que vous demandez quelqu'un qui est de culture fond, par exemple, qui aime bien le zénith, dans le cadre de l'éducation orthophonique, qui n'a pas peut-être de gros déficits sur le plan moteur, que c'est seulement sur le plan du langage, on peut associer à sa rééducation, d'accord, une dimension, une composante musicale de chez lui, un bon zénith, d'accord, et il peut faire cette éducation sur cette rythmique. Vous allez voir que dès que l'on le soumet, n'est-ce pas, à cette aide musicale, ça éveille son cerveau. Qui doit traiter l'information, qui doit essayer de comprendre. Et cet exercice couplé à la rééducation orthophonique usuelle donnera fondamentalement des résultats probants.